C'est-à-dire vers la structure.
Comment ça se passe? Donc, on obtient un certain nombre. Une fois qu'on a intégré en fait ces tâches, on obtient un certain nombre de fichiers dans ce sens-là. Donc, un exemple, et là, ce fichier. Donc, on va tout simplement faire ce qu'on appelle une réduction de données et on va aboutir à cette partie ici, dans laquelle on ne garde que ce fichier-là qui contient. Donc, les intensités diffractées, vous avez les HKL, les plans, les intensités et le sigma. Et ce qu'on vous a donné, justement, ce sont des fichiers qui sont comme ça. C'est avec ces fichiers qu'on va travailler. Bien sûr, les réductions de données, généralement, on les fait directement à côté de l'appareil. Donc là, on passe par deux choses. Donc, lorsqu'on commence notre expérience, on obtient ces fichiers-là, mais en fait, on fait un nombre restreint de photos, c'est-à-dire normalement aux alentours de 36. Et à partir de ça, on détermine, donc on fait une recherche de matrice d'orientation. Une fois qu'on a déterminé cette matrice d'orientation, c'est-à-dire on a déterminé les paramètres de on va s'arrêter ici. Si le composé, donc là, généralement, on a une base de données. Donc, si le cristal est déjà connu, donc, bon, la tâche est finie, ça s'arrête là. Mais si le cristal n'est pas connu, donc, à ce moment-là, on décide est-ce qu'il faut le mesurer, est-ce qu'il ne faut pas mesurer. Bon, bien sûr, si le cristal est mauvais, donc là aussi, donc là, c'est souvent entre la matrice d'orientation. Donc, s'il y a des difficultés à trouver la matrice d'orientation, ça veut dire que le cristal est mauvais. Et là aussi, ça se limite. Donc, si on décide maintenant de faire la mesure, eh bien, on refait ces étapes-là, c'est-à-dire, donc, à ce moment-là, on a déjà la matrice d'orientation, et on va demander à l'ordinateur, en quelque sorte, de choisir les plans qu'il va faire, c'est-à-dire, on va faire ce qu'on appelle un calcul de stratégie, et à ce moment-là, dans cette stratégie, il va faire des calculs dans lesquels il va chercher les angles, enfin les images qu'il va mesurer. Une fois donc mesuré, on obtient aussi un fichier comme ça qu'on va réduire et on va avoir donc des intensités qu'il faut corriger. Une fois que c'est corrigé, on le garde. Donc, bien sûr, au début, on a un fichier dans ce sens-là qui contient les HKL, les sigma et il y a les cosinus d'orientation, les cosinus directeurs. Donc, ce sont ces cosinus directeurs qui vont nous aider, enfin, qui vont nous permettre de faire les corrections d'absorption. Une fois qu'on corrige aussi le rince et polarisation, une fois qu'on aura fait toutes ces corrections-là, ben, on obtient un fichier, pardon, comme celui-là, qui contient uniquement les HKL, les intensités et sigma. Ensuite, on va faire un petit test. On va faire en fait une moyenne de ces intensités et ceci, donc, ça va nous définir la qualité de nos données. Est-ce que ces qualités sont bonnes ou non? C'est-à-dire qu'on va tout simplement voir la relation entre les réflexions équivalentes qui sont caractérisées par ce R inter qui doit être donc assez relativement faible. Donc une fois qu'on a ça, on a le problème de phase. Donc le problème de phase, c'est ce qui a été exposé ce matin d'ailleurs. Donc là, il fallait résoudre ce problème de phase. Il y a différentes méthodes de résolution de ce problème de phase, soit de Patterson, soit la méthode de Patterson est aussi une autre méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode de Latour-Lacour. Et puis, il y a aussi la méthode directe. Donc, nous, on va traiter deux exemples. Donc là, et une fois qu'on aura résolu cette structure, c'est-à-dire résolu le problème de phase, eh bien, on va passer au calcul. On va passer au calcul, on va faire un certain nombre d'affinements. Et comme vous le voyez ici, le calcul direct de la densité électronique à partir des mesures d'intensité de diffraction est possible, mais le contraire n'est pas possible. Une fois, c'est-à-dire, donc, je peux calculer, mais il y a une différence, donc, et on va, à la fin,
minimiser ce facteur-là. Donc, c'est ce facteur qui va définir, enfin, c'est ce qu'on appelle, donc là, ça est dit ici, donc ce que j'ai écrit là, il est exprimé directement par ces deux relations-là. Donc, vous avez la densité calculée, vous avez la densité observée, et on va essayer de comparer les deux. Et on minimise cette différence-là, donc, c'est-à-dire, on va avoir le R de plus petit possible. Bon, là, j'en passe. Donc, ça, c'est dans la résolution structurale. Donc, on définit ces facteurs de reliabilité, enfin, ce qu'on appelle aussi des facteurs de véracité. Il y a le R qui est dans l'expression précédente. Et il y a ici un autre R, c'est le R White avec ce qu'on appelle un poids. C'est-à-dire qu'on va tout simplement affecter un certain poids pour les réflexions faibles et par conséquent. Vous voyez, donc on peut vraiment aller. Oui, ça c'est expérimental. Oui. Donc maintenant, ça c'est expérimental. C'est-à-dire, généralement pour des acquisitions rituelles, on prend un domaine angulaire un petit peu plus élevé pour avoir plus d'informations. La résolution structurale, ça va être pas accepté dans les publics. Donc au moins 80, 90, et ça dépend aussi. Du temps de comptage. Lorsqu'on veut faire une acquisition rituelle, le temps de comptage il est très très grand. Par exemple, là, on peut avoir une acquisition, ça dépend des appareillages, parfois on peut faire toute une nuit ou toutes 24 heures. On démarre à 5, c'est-à-dire 2 data égale à 10, et on peut aller jusqu'à 400, 120, 80. Et parfois, ça dépend, par exemple, des. Si on connaît déjà la structure, par exemple, Oui, même, mais il faut faire un compte de comptage un petit peu plus élevé pour que vraiment. Le but, c'est quoi? C'est qu'on doit avoir les intensités, vraiment, les vraies intensités. Mais si on fait rapidement ou si on n'a pas un domaine angulaire, donc on ne va pas avoir les vraies intensités. Et si on n'a pas les vraies intensités, le but, comme a dit le professeur pour ça, c'est qu'on doit simuler le spectre expérimental. Peut-être qu'on va faire la différence. Donc, le but, à la fin, c'est qu'on va retrouver la même chose. Bien sûr, avec les paramètres qu'on va introduire. Ce qui a été dit ce matin, plus court, il y a le l'Algérie. Il faut se méfier des intensités. Si jamais la préparation de la foule, il y a des orientations préférentielles. Tout à l'heure, on a montré, jamais c'est orienté dans la même direction, vous risquez d'avoir des pics plus intense, qui va influencer le résultat et qu'on peut corriger le programme. Il faut s'assurer que les orientations préférentielles n'existent pas. Et dans ce cas, on peut le corriger. C'est bon, on va essayer d'enlever ça. Donc on fait le. Il y a le. La résiste. Vous avez le. Voilà, donc vous avez. Sur l'école ici, vous avez résidu. Plus là, vous avez résidu. Si vous appuyez sur ici, automatiquement, vous avez la page. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, vous avez tracé le mix. Est-ce que. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas le. Est-ce que vous avez un spectre identique ça ou bien vous avez. C'est-à-dire le choix. Le choix d'instrument, c'est pas. Le choix d'instrument, c'est faux. Normalement, c'est pas une fois que j'ai le spectre, je vais choisir
Parce qu'on n'a pas choisi la bonne deuxième qui permet au logiciel de trouver le groupe d'espace. À l'époque, on cherchait, on appliquait ce que vous avez vu dans le cours ce matin-là, en regardant les conditions d'extinction ou les conditions de diffraction, et à partir de là, on extrait notre groupe d'espace. Maintenant, tout ça, elle peut être fait via le logiciel informatique. Voilà. Donc, tout le monde va y aller, s'il vous plaît, sur data, tout le monde, ensemble, s'il vous plaît, sur PC, data, voilà, tout le monde. Voilà. Et le calcul est là. Est-ce que tout le monde est arrivé à ce stade-là, s'il vous plaît? C'est bon? Donc, pour ceux qui ont des problèmes, ils n'ont qu'à lever leurs mains. Et comme ça, on viendra les aider. C'est bon? Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas de main qui levait, donc là, on va vous dire qu'il s'agit d'un système qui est centré, le mode de réseau de Bravais. Et c'est la symétrie, donc là, le groupe conjugal. Ou le groupe de Loubé, donc là, la classe de symétrie, donc on peut y aller sur OK. Voilà. Je suis en train de faire ces calculs. Voilà, donc il a trouvé, s'il vous plaît. Voilà, donc le résultat, il est là, sur ce tableau-là. Donc il a trouvé les groupes d'espace suivants. Donc vous avez le groupe IMMB, IMMA. Donc vous voyez, ça c'est le numéro du groupe d'espace, dans la table internationale de cristallographie. Donc il s'agit là de même groupe d'espace, et vous avez le groupe I2MB, IN2A. Donc déjà, quelle est la différence entre ces deux groupes d'espace et les deux autres groupes d'espace? La question, s'il vous plaît. Non, regardez ici. Donc c'est le même numéro dans la table internationale de cristallographie, ici 74, 74, 46, 46. Normalement, il s'agit de... Il s'agit de la même chose. Donc ici c'est 74, ici c'est 46. Celui-là c'est 46, celui-là c'est 46, ça c'est 74 et ça c'est 74. Tout simplement la différence entre les deux, ici c'est un plan de glissement petit b et ici c'est un plan de glissement petit a. C'est une question d'orientation tout simplement, mais sinon ils sont les mêmes. On peut travailler que ça soit dans celui-là ou dans l'autre. Dans celui-là ou dans l'autre, ou bien dans celui-là et dans l'autre. Par contre, il y a une ligne ici, 74, 74, 46, 46. La différence entre 46 et 74, c'est donc votre cas, dont il y a quelqu'un qui vient de le dire. Là, celui-là est non centro-symétrique, et celui-là, il est centro-symétrique. Donc vous avez un centre de symétrie pour le premier groupe d'espace. Donc, oui, je crois que ça a été dit ce matin aussi dans le cours. Donc, lorsqu'on ne sait pas si le groupe est centro ou non centro, donc lorsqu'on ne connaît pas, lorsqu'on n'a pas de données sur notre composé, on travaille toujours dans le groupe centro-symétrique. Donc là, on va choisir le groupe centro-symétrique. Donc, on va choisir, donc lui, il nous propose IMMB, les groupes standards. Qui se trouve dans la table internationale de cristallographie, c'est celui-là en verse, et l'autre, c'est son équivalent. Donc, si je fais ma résolution ici, donc, au moment de la publication, par exemple, du travail, donc, on me demande de prendre le groupe standard, donc, et de faire le changement. Donc, certaines revues, comme ActaCris, là, il exige de faire ce changement. Donc, comme ça, on va travailler dans le groupe standard. Donc, on va y aller sur Browse. Ici. Et là, vous avez la liste des 230 groupes d'espace. On va y aller directement vers le numéro 74. Voilà. C'est IMMA. Voilà. C'est ici, s'il vous plaît. Vous cliquez. Finalement. Voilà. Est-ce que tout le monde y est, s'il vous plaît? Est-ce que tout le monde y est? Donc là, enfin, entre parenthèses, il y a en fait plusieurs, donc là, plusieurs possibilités, donc voilà, ils sont là, mais un qui est standard, c'est le premier. C'est bon, d'accord? C'est bon? Est-ce que cette table-là... C'est pas complètement. Donc c'est comme ça on détermine le groupe d'espace
pour une structure. Voilà. Ça, c'est l'étape numéro 1 de la détermination cristalline. Bon, là, il y a ici l'automatisme, mais il y a aussi quelquefois l'intervention humaine, il est nécessaire. Donc là, on est intervenu tout simplement pour faire un petit changement comme ça, mais quelquefois, on intervient pour changer carrément le groupe d'espace parce que ce qu'il détermine, c'est peut-être à cause de quelques petites réflexions ou des trucs comme ça. Donc, quelquefois, on est obligé de... L'intervention humaine est encore quelquefois nécessaire. Mais pour la plupart des cas, ça ne pose aucun problème. Donc, c'est automatique. Le malheur oralement. Donc, dans le temps, on fait enfin la détermination de ces règles d'extinction. On les fait à la main. Et il me propose, est-ce qu'on ne peut pas jeter un coup d'œil ici, sur les fichiers? Donc là, si vous regardez juste au tableau, donc là, et lui, il veut, il est radin, il veut faire ça avec la main. Donc on a dit, on a un i, dans i, en fait, il y a, donc ici, 3 plus 1, c'est 4, ici, 5 plus 1, etc., c'est beau. Abdelaz, je crois que tu es satisfait, non? Pour le A, c'est un peu compliqué en fait, parce que enfin il y a le A et le I. Donc vous avez. C'est dans le fichier, par exemple, les fractions de rayons X. Oui, mais ils seront pas trouvés. Non, ils doivent être envoyés, mais le fichier point de date. Si jamais vous avez sur une matière d'acquisition sur Philips, les matières CNRS de droite, la matière première fichier, les filles viennent à être les données. Malheureusement, les données que c'est pour le problème de la télé poudre, et ça devient le point de date. Mais c'est cette recherche. Oui, la matière pas de chercher la difficulté d'ailleurs. La matière pas la difficulté. Tu es prêt à ton arme. Il dit à etc. Il n'arrivera jamais à prendre la fiche. C'est un fichier qu'il faut demander à l'expérience. Il faut demander l'expérience. Généralement, il n'a pas. La même fiche, c'est moi je demandais après à filmer la structure. Non, après la fiche. C'est le reste de la matière. C'est un minimum, le pas faire. Ces deux lignes, c'est les lignes d'appareillage. Alors, tout à l'heure, on a tracé le spectre. Lorsqu'on a un spectre, on a la loi de Hoare de dessiner c'est pas égal lambda. Qu'est-ce que je tire d'un spectre Rx, la première chose, qu'est-ce que je tire? C'est les paramètres de maille. Alors, les paramètres de maille, comme vous les voyez, voici un petit A, un petit B, un petit C, l'alpha, le bêta, et vous avez aussi le gamma. Donc, voici la ligne. Il y a le paramètre de main. D'accord. Alors voici, on donne une ligne essentielle. Alors, une fois on a les paramètres de main, et bien sûr, il faut chercher le groupe d'espace pour RS. Voici la ligne et le groupe d'espace, c'est indiqué. Donc je dois corriger ici par mon groupe d'espace. Ça, on le donne, juste après, on va faire les paramètres de maille. On va faire l'application. C'est bon. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la fonction gaussienne, la fonction lorentzienne, la fonction pseudo-Boy, etc. On a dit, lorsqu'on procède à l'affinement rituel, on choisit la fonction pseudo-Boy. Où il intervient les paramètres fonction pseudo-Boy. Vous avez le chape là. C'est ça le état. Lorsqu'on a dit la fonction pseudo-Boy, c'est état fonction lorentzienne plus 1 moins état fonction gaussienne. Et bien c'est ça le facteur chape, c'est-à-dire le facteur mixage de la fonction entre gaussienne et lorentzienne. Donc, état, il doit être signalé les articles. De même, l'allure de la courbe. L'allure de la courbe, comment le référer? Sache maintenant où il y a quelque chose. C'est au niveau de ces facteurs U, V, W. C'est ce qu'on appelle les facteurs de cagliotti. La fonction cagliotti, la largeur à la hauteur, H, est égale à racine de U. Normalement, on va introduire, au moins ça dépend du composé, parfois on peut aller jusqu'à 80 paramètres, 90, 60, ça dépend de la composition et ça dépend de la structure, etc. Donc, mais on va essayer d'introduire
des paramètres approchés. C'est pas la solution, mais il faut que les paramètres. C'est pas les paramètres, en fait, les facteurs, tout ça, que ça soit ici ou les U, tout ça, ça doit être un petit peu une solution approchée. Et on va faire rapidement. Alors, donc on a vu tout ce qui est mon bal. Qu'est-ce que je tire de ce fait? Et la fonction utilisée. Alors maintenant, on va parler de la première mesure. Alors, là, c'est le type d'appareillage d'acquisition que tu as fait. Zéro, ça veut dire l'acquisition, elle est faite avec la diffraction X. Si vous faites la 1, elle est faite par le neutron. Si vous faites 3, ça veut dire que vous avez fait une acquisition avec. Quand il vous parle sur le cas de 0, 1, vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur parce qu'il y a un document qui vous explique, c'est-à-dire que vous devez vous référer à la documentation, c'est un qui va vous dire 0, c'est le rayon X. Il y a un document qui existe. Il y a des chiffres à introduire selon l'application. Le NPR. Très bon. Donc c'est bien. Maintenant, il commence l'affinement. Commence le cycle 1, le cycle 2, donc on a fait 4 cycles. Donc déjà, ici, c'est un message qui nous dit attention, il y a quelque chose qui n'est pas content ici, il nous insulte gentiment. Donc tout simplement en disant que le ionite ne coïncide pas avec le nombre d'atomes qu'on a trouvé. Donc nous, on sait qu'on a mis dans cette ligne-là, le ionite, un nombre qui n'est pas correct. Et bien sûr, tout à fait au début, donc on a zéro, ça veut dire même pas que c'est tout à fait au début, mais c'est... Donc voilà, je passe des cycles, je vais aller directement au dernier cycle d'affinement. S'il vous plaît. Oui. Ça dépend, donc qu'est-ce qu'on a mis comme valeur de merge. Donc, soit on fait la moyenne directement, soit ça dépend, est-ce que je tiens compte de Friedel ou non. Parce qu'en fait, là, on revient sur le point INS, est-ce que j'ai mis merge 2 ou bien merge 2 donc, il doit en fait tenir compte quand même donc des équivalents. Des équivalents. Oui. Donc là... je reviens maintenant à l'affinement. C'est celui-là. Si. C'est le dernier cycle d'affinement. Donc voici les résultats. Donc il a affiné le barium, etc. Le Mn. Maintenant, donc sur ça, je vois déjà qu'il y a un atome qui saute en quelque sorte. On a mis un atome là où il ne faut pas le mettre. Donc déjà, on verra en fait, on va regarder un petit peu les liaisons. Et on verra que celui-là, donc ça ne va pas correspondre à quelque chose de réel. Donc je vais aller directement vers le... Donc là, c'est les facteurs de reliabilité, etc. Donc il me propose l'extinction. Donc là, c'est tout, il me propose toujours. Mais normalement, lorsqu'il y a un phénomène d'extinction, on le met tout à fait à la fin. Donc pour le moment, on ne s'occupe pas de l'extinction. Donc, on passe. Donc là, observez les intensités calculées avec la différence entre les deux, c'est-à-dire, donc on est encore loin de l'affinement. Loin de... Tout à l'heure, le P6. Le P6 avec 1,52 de BA. Là, c'est la distance, donc, s'il vous plaît. Donc, ça veut dire enfin que le P6, c'est vraiment quelque chose. Donc, il avait déjà dans le facteur de déplacement atomique 0,26 et on avait dit que ça devrait être rien. Vous appuyez sur symétrie, mais si les positions à l'extérieur du groupe d'espace, voilà, c'est les coups. Ok. Donc, profilement, quels sont les paramètres qu'on veut affiner? Ça aussi, c'est intéressant. Alors, on a le nombre de cibles.
Là, vous voyez, c'est le background de l'internat. Vous cliquez sur le background et vous voyez les points par point qui est donné. Il a dit que rapidement, tu cliques sur l'enfer ange. Il a la même manière, on ne va pas les améliorer. On va dire que les meilleurs, les meilleurs. Maintenant, il va les corriger. Alors après, on passe, là c'est instrumental, et vous venez à l'expérimentation. Là sur cette icône-là, vous voyez instrumental. Si l'opérateur attaque des données sur l'instrument, raquette si domaine. Alors maintenant, le coefficient 0, c'est-à-dire le décalage 0. Donc là, on va l'affiner. Il faut le décalage à l'origine. Il y a un petit croix qui s'affiche. Okay. Il y a la micro-absorption. Il y a une des données, la micro-absorption, quand le CP, le TP, tu as monté. Le prof, le paramètre de moins A. On l'a dit, le paramètre B serait affiné, le paramètre C. Et lorsqu'on a un système hexagonal, toujours l'angle sombre. Toujours. Et puis le système hexagonal. C'est question mathématique. Le quadratique, non. Le monoclinique, si, mais l'hexagonal, là, le programme qui nous dit m'a activé son. Sinon, les autres, les alphabets. Hein? Après, vous avez les paramètres de la fonction de la largeur à mi-hauteur, les facteurs de cagliotti, le U, le V, la géométrie de la fonction mathématique. Après, vous avez le coefficient xi, tu l'affines et tu valides par OK. Avant celle-là, qu'est-ce que vous avez ? Avant celle-là, pas besoin ? Oui. Avant celle-là, pas besoin ? Je reviens. C'est bon. On passe là, ok. Là, d'abord, l'ensemble, c'est ça. Alors, ça y est, c'est fait. Alors, une fois ceci est fait, n'oubliez jamais save data. Si vous n'enregistrez pas ce que vous avez fait, ça, c'est pour enregistrer, là c'est très important. Une fois que tu termines, tu dois passer à ce que sur le disque. Si vous n'enregistrez pas, donc ça veut dire tout ce que vous avez fait, ça ne va pas être tenu compte. Hein. Donc il faut absolument, après, à la fin, il faut s'enregistrer. Mais le fichier .pcr, vous cliquez sur ce. Maintenant, on ne va pas l'éditer, c'est déjà édité, c'est l'opération qu'on a faite. Maintenant, on va le visualiser. Cliquez sur PCR. Juste cliquez sur PCR. Ça vous donne là. Le nom. Alors, ça dépend qu'il va cliquer et qu'il va cliquer. Qu'il est reçu de la droite, il est pour ouvrir avec bloc. C'est bon, c'est un célèbre. Avec les 1, 2 et 2, 3. C'est bon, s'il vous plaît. Il faut qu'on aura fait l'affichement. Donc après, on va revenir à ce que j'avais posé. Donc là, j'arrive, vous alerte. Ah, vas-y, pardon. Il faut revenir. Le fichier.s. Et on va ajouter cette instruction-là. Alice. Après, F.
Le programme, on peut la mettre comme on veut. C'est bon. Donc maintenant, on va. Est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît? C'est bon? Donc on va aller encore chez. Donc au fichier résultat, donc qui contient le détail des résultats, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, qui... à côté s'il vous plaît. Bon, si je regarde un petit peu là. C'est un mari de la France. Oui. Donc je suis parti à Nice. Il faut savoir un R ici de l'ordre de 2%, ça veut dire que le modèle il est vraiment donc correct. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc là, c'est les facteurs, donc les intensités diffractées et calculées avec la différence en lambda. Donc je regarde cette différence, il y a quelque chose de très important. Donc là, il y a 4, etc. C'est rien du tout. Donc c'est bien. Maintenant, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans la synthèse de Fourier différence. Donc je jette un coup d'œil sur les distances avec l'incertitude là-dessus. Ils sont bien aussi. Donc ça, c'est bien. Maintenant, sur la différence de Fourier, il y avait tout à l'heure un pi qui fait 8. Maintenant, il y a un pi qui fait quand même 2. Donc, 2 électrons. La distance, comme on avait dit tout à l'heure, il est à 0,73 de BA. Donc, ça ne peut être ni hydrogène ni rien du tout, malgré qu'il fait un 2,48. Donc, ça, c'est un reste simplement qui n'a aucune signification. Donc, bien sûr, Abdallah n'est pas tout à fait content avec ça. Lui, il préfère faire le calcul de densité électronique et voir de quoi ça défile. Bon, on n'est pas là, donc on n'a pas fait le. Donc, ce qui fait pour un calcul de structure tout à fait. La densité qu'on a dans notre main, oui. Deux électrons qui restent. C'est-à-dire que c'est une ondulation quelque part de la densité électronique qu'on a. Ça pourrait également être des électrons qui se trouvent au niveau des liaisons entre deux atomes. Non, je ne crois pas. C'est 0,73 de BA, donc c'est vraiment trop proche de BA. C'est trop proche. BA est en liaison, je veux dire, ça pourrait être. Oui. Donc là. Je peux vous répondre parce que lorsqu'on fait la différence de Fourier, la même à côté, très à côté de l'atome. Pas dans la chute. Donc on va pas parler là-dessus, enfin on va faire autre chose. Donc là, pour des discussions comme ça, donc entre chevronnés, donc là il faut quand même s'asseoir à table et on fera ça après. Bon, il y a les étudiants qui veulent apprendre quelque chose, donc on va pas... Il y a aussi une petite astuce aussi, donc on peut diminuer un petit peu ça si on diminue l'angle, parce que l'angle, donc Donc si vous regardez, enfin on a mesuré jusqu'à 60. Je vais revenir maintenant à ce que posait mon camarade tout à l'heure sur les alertes. Il y a une alerte qui est toujours là. Donc c'est cette alerte-là. Voilà. Cette alerte qui est ici. Donc cell contents, donc from unit cell. Donc on peut le faire. Vous pouvez aussi également essayer les autres exemples qu'on a donnés. Donc là, j'espère que vous avez bien profité de ça. Merci.